une 28e journée avec 25 buts au total. Valenciennes s'incline 5 buts à 1 contre Caen. Pourtant, les Valenciennois avaient inscrit le premier but à la 10e grâce à Riddell Poipon. Valenciennes ne va pas tenir. Ah, il va se retrouver à 10 avec l'expulsion de Manuel Novoyes qui ira auprès de l'arbitre. Il n'y avait pas faute, il n'avait absolument pas touché le ballon qui sera remplacé par Paul Charruy qui ne tiendra que 3 minutes dans les cages avec l'égalisation de Nicolas Seub à la 28e minute qui ramène les deux équipes un partout. 10 minutes plus tard, c'est Philippe Essal qui d'une balle piquée donne l'avantage à Caen, 2 buts à 1 à la mi-temps. Caen en serait en 3e minute grâce à Philippe Essal à la 56e pour le doublé. Benjamin Da Silva pour le 3e but à la 79e. 3-1. 4-1 grâce à Nicolas Seub à la 78e et à la 86e. C'est Rémi Varcourt qui, pour se faire plaisir, monte un but de la tête. Ça fait 5 buts 1. Valenciennes n'est plus la meilleure défense. Oh, oh, oh. Le PSG, ça se fait un succès dans les dernières minutes. Oh, grâce à un but de Cavani, le PSG prend la 2e place à Ajaccio. Quand pourtant efficace à Valenciennes s'est fait surprendre dans son entre de Dornalo grâce à ce but de la partie inscrit par Romain Moin. Monaco, vous les rêvez de Ligue Europa, c'était bien parti à 10 minutes de la fin lorsque Berbatov pense donner la victoire aux siens. Mais à la 86e minute, Cédric Forêt se fait faucher dans la surface. C'est Christophe Krabat qui se charge de la sentence. Score final, un but partout. Monaco est freiné dans son ascension Ligue Europa. Oh, oh, oh. Evian avait perdu 4-0 la semaine dernière. Cette fois-ci, c'est un 4-1. Sochaux mène rapidement 4-0, quadruplé de Matos Vivian au 5e, 19e, 26e et 53e minute. Barbosa réduira la marque pour l'honneur à 4-1 la 70e. Oh, oh, oh. Bastia n'y est plus du tout. Une défaite anonyme, anecdotique en fin de saison, une défaite 3-0, triplé de Rio Mavuba, 56e, 79e et 86e minute. Le LOSC est en premier match de classement. Oh, oh, oh. Metz peut quasiment dire adieu à la Ligue des Champions, cette très large défaite 6-1 du côté de Nantes. Pourtant, Ferdjani Sassi avait inscrit le premier but à la 5e minute de jeu, mais ensuite Nantes va se réveiller. Johan Odell inscrit en doublé au 12e et 26e minute avant le doublé de Vertu. 4-1 à la 27e et 37e minute, ça fait 4-1. 5-1 grâce à Gakpé à la 44e et 6-1 juste avant la mi-temps. Oh, oh, oh. Nice peut dire quasiment adieu à la Domino's League 1 qu'on fera mal à la semaine prochaine. S'ils veulent l'avoir, il faudra prendre des points. Ce n'est pas le cas ce soir, 0-0 contre Ajaccio. Oh, oh, oh. Guingamp-Bordeaux, 0-0 ici. Les deux équipes ont eu de belles volatilités offensives. Bordeaux est toujours barragiste. Oh, oh, oh. Et enfin, le dernier match de la 28e journée aura vu un Toulouse plus apathique. C'est Saint-Etienne qui en profite grâce à Romain Mouma à la 92e. 25 buts inscrits au terme de cette 28e journée. Les victoires à l'extérieur de Caen avant l'ancienne. De Sochaux à Evian, de Lille à Bastia et de Saint-Etienne à Toulouse. Valenciennes est seul leader. Le PSG pour être champion faudra 5 victoires d'affilée sans perdre le moindre point. Caen peut toujours revenir dans la course à la Ligue des Champions, mais ça peut quasiment y dire au revoir. Lyon occupe la place de premier non relégable, première équipe qui se sauve. Reims commence à avoir de moins en moins chaud. Pour Nice, ça devient un tout petit peu plus haute. Le programme de la 29e journée avec RC Lens PSG suivi de Lyon et Vion à 20h. Le samedi à 17h, Ajaccio-Valenciennes suivi des autres matchs à 21h. Nice, Lens, Sochaux, Caen, Lille-Bordeaux, Saint-Etienne-Monaco, Nantes-Lorient, Basse-Yvonne-Tonon-Gaillard et Stade de Reims pour renouer avec en avant de Guingamp.